Eh bien, salut à tous, c'est TheFunnyS43 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur... Attention, c'est une surprise, mais je pense que vous avez déjà remarqué le truc. Donc oui, c'est sur Hearthstone, un jeu de Blizzard. Et je pense que nous allons bien nous amuser parce que c'est vraiment un bon jeu que j'ai un peu joué, pas beaucoup, mais sur mon portable, j'ai jamais joué sur la version PC. Je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble. Je remets mes lunettes parce qu'elles tombent. Voilà. Alors, premier sang. Donc du coup, je pense qu'il va falloir que je recommence tout. Donc alors, une petite sauve. Partie. Jouez quand même un niveau. Lancez-vous dans... Bon, on va pas faire partie, on verra ça plus tard. On va faire plutôt aventure. Donc aventure. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Normal. Ah si. Donc oui, il m'en reste un à faire. Je vais monter le chasseur, deck voleur, je pense que c'était le mieux. Donc allez. Bien sûr. Vous... Ah oui, voilà, les avez tous fait, il m'en restait juste celui-là. Allez, on va essayer de le faire. Bon, là vous voyez les petits, petites animations quand ça charge, c'est plutôt drôle. Varina contre Jul'dan. Voilà, donc c'est moi contre le démoniste, et je sais qu'il était plutôt fort et je n'y arrivais pas. Donc voilà, donc c'est bon, ça enregistre encore, je regardais juste parce que j'avais peur. Donc voilà, donc là il nous demande en fait de main de départ, parce que je vous explique, au début on a 0 points de mana pour pouvoir commencer. Enfin après je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un minimum Hearthstone, ou alors pas du tout, c'est possible que je vous fasse découvrir ça. Donc voilà, là en fait au début il nous demande de choisir les cartes qu'on veut au départ. Donc les cartes qu'on veut au départ, par exemple celle-là, ça ne sert à rien, enfin ça peut servir, mais ça ne sert à pas trop grand chose parce que vous voyez en bas nous avons 0 points de mana. Donc le mieux serait de prendre celle-là. Donc la provocation on va quand même la garder parce que c'est important. Celle-là aussi, mais celle-là nous n'allons pas la garder. Enfin, moi, pour moi, elle me sert pas à grand chose. Puis, vous cliquez sur. Normalement, ça vous en donne une autre. Voilà. Et puis, ça commence. Et c'est là où. Voilà, comme là, par exemple, vous voyez, j'ai un truc. Alors, attendez, je pense que c'est. Voilà. Là, ça, par exemple, ça sert à. Hop. Ça sert à. Par exemple, vous voyez, j'ai reçu. J'ai 2 points de truc. Donc, du coup, je peux attaquer avec celui-là. Du coup, j'ai dû faire du mal. Et... Je vais enlever 4. Donc là, il a posé des bêtes pour essayer de m'attaquer, bien sûr. Ça, on peut jamais être tranquille avec ces sales bêtes là. Et là, par exemple, vous voyez, je lui renvoie son serviteur parce que je lui envoie une carte qui lui fait revenir son deck. Donc, du coup, il ne peut pas m'attaquer, ce qui était mon but. Donc voilà, donc. J'espère que la vidéo précédente vous a plu, moi en tout cas ça m'a plu de la faire avec vous. Il y en aura d'autres, maintenant j'ai trouvé un micro peut-être un peu mieux, du moins je l'espère. Et je pense que vous m'entendrez mieux et que ça sera mieux. Il y a beaucoup de mieux dans cette phrase, mais j'y peux pas grand chose, hein. Écoutez, pas de ma faute. Cri de guerre, provocation, donc on va mettre une provocation pour éviter qu'il m'attaque. Quand c'est pas me taper... Ça sera parfait s'il peut pas me taper parce que j'ai pas envie de me prendre des dégâts et mourir parce que je suis déjà assez mort devant ce personnage là et je n'ai pas envie que ça se reproduise et j'ai envie de l'avoir, comme ça on pourra avancer dans l'histoire. Donc comparé à avant quand je fais cette vidéo, ma connexion est légèrement mieux, donc du coup c'est à dire que je peux faire des vidéos un tout petit peu plus longues et pouvoir les poster à peu près dans la journée. Pardon, excusez-moi. Bon, là, vous voyez, par exemple, enragé de magma, il tape du 5. Mais, problème. Alors, attendez, est-ce qu'il y a du temps qu'on fait invoque un petit dragon mécanique. Détruire un serviteur adverse. Quoi, vas-y, putain, pas assez de mana, quoi. On va mettre ça. Et je peux attaquer avec ça. Avec ma provocation, donc du coup je vais attaquer sa provocation à lui, comme ça il meurt, moi aussi. Ah non, je l'ai pas mort. Ah ben, je me suis loupé, ça le fait des fois.
Donc vous voyez, c'est quand même un jeu, ça bouge pas beaucoup, c'est du tour par tour. Mais j'aime pas trop les jeux normalement comme ça, vous savez, où vraiment il faut attendre son tour et taper pour faire des dégâts. Un peu comme Dofus, vous voyez si de quoi je veux parler. Dofus, j'y jouais un moment, je sais ce que c'est. J'ai bien aimé aussi, mais ça accroche. Là, comme celui-là par exemple, il accroche vraiment et il me plaît, mais c'est d'une force, c'est agréable d'y jouer. Même si on perd, on s'énerve pas. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment agréable. Donc là, comme vous voyez, je vais me tuer celui qui tapait du 4, comme ça il pourra me faire moins de dégâts. Bah, après, vous voyez, c'est un peu logique. Mais là, je ne vous promets rien que je vais gagner parce que ce personnage est très vicieux. Il fait genre, il a plus de vie. Voilà, voilà. Exemple. Au moment où je le dis, l'exemple tombe. Il a plus de vie et puis d'un seul coup, eh bien, il s'en remet. Et moi, bien sûr, je n'ai pas des sorts comme ça. Enragé de magma, ça sert à rien de le sortir maintenant. On va sortir le Yeti. On va lui taper avec ça. Ah merde, non, putain, c'est vrai, c'est pas mon ancien. Oh. Ah, ça, je me suis trompé, excusez-moi. Parce que j'avais le deck chasseur, en fait, quand on fait ça, en fait, ça tire sur le... Quelqu'un a demandé un docteur. Regardez, par exemple, il reste 15 points de vie. Et je vais mourir, je pense. Parce que... Franchement, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais pas du tout. Butez-le ! Alors, il faut savoir que... Lui ne peut pas m'attaquer. Enfin, il peut m'attaquer, mais il fera pas. Mais eux vont m'attaquer. Donc, du coup, faut compter 2, 4, 6, 10, 12. Il ne pourra pas me tuer. Mais bon, si j'en enlève, si je tue celui-là avec celui-là. Voilà. Déjà, ça me fera moins de dégâts. Ensuite, si je suis là avec celui-là, je le tue. Il reste 2 points de vie. Il pourra m'en enlever plus que 6. Terminé. Voilà, je pense que j'ai pas trop fait de conneries là. C'est là où on se dit qu'on regrette tout quoi. Bon, je vous promets rien, ça va vraiment être chaud. Mais je pense que même c'est perdu. Parce que je crois que je vais mourir. Ça c'est bien. Voilà comme ça. Ils se font du mal eux-mêmes. Ah, j'ai mal, je souffre, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas j'ai mal. Voilà. Ah non, non mais faut qu'il meure. Faut qu'il meure. Je crois les gars que je vais mourir. Au revoir. Non non mais là. Oh voilà. Comment vous voulez y arriver avec ça, quoi? Ah non, 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 il s'en est enlevé. Ah, bah tant mieux. Voilà. Adieu, les gars. Faut que j'ai une provocation ou quelque chose, là. Aïe, aïe, aïe. Attendez, il enlève du 5. Nous devons purifier le puits de soleil. Que je suis un malade et que voilà, je suis filé comme un con en fait. Ouais, ça le fait des fois, mais bon, je suis dégoûté de la vie. Hein, je voilà, défaite. C'est génial, ça commence bien à ce qu'on voit. Hein, à vous aimer quand ça commence comme ça. Bon, donc attendez, ce qu'on va faire, parce que je vais pas vous saouler avec ça longtemps, c'est juste qu'on va aller en. Ah oui, d'abord finir l'entraînement, dis donc. Donc on va faire l'entraînement avec le deck voleur, mais on va changer, on va recommencer, on va faire juste pour question que vous montre
à peu près ce que mon personnage vaut. Et je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur Hearthstone, tout simplement, parce que c'est vraiment un bon jeu. Je vous conseille vraiment. Il est gratuit en plus. C'est sur Blizzard Battle.net, pardon. Vous téléchargez Battle.net sur son site. Vous l'avez cherché. Vous pouvez largement y jouer. Le téléchargement est un peu long, mais bon, c'est pour moi, parce que peut-être que ma connexion n'est pas forcément bonne. Mais voilà, c'est vraiment un bon jeu et qui est accessible à tout le monde en plus. C'est accessible comme aux petits et aux grands. Donc, n'hésitez pas. Il est gratuit. À part si bien sûr vous voulez avoir des extensions, enfin, vraiment des trucs pour être plus fort, je crois qu'il faut payer, mais sinon je crois qu'il est, gratuit entièrement. C'est vraiment un jeu de A à Z dessus sans problème. Donc voilà. Donc ensuite, en parlant d'autre chose, je ferai aussi certainement des vidéos sur Diablo 3. Car c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Et un jeu que j'ai fini plusieurs fois et que j'aimerais faire partager à certaines personnes et à tout le monde même. Parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Comme vous l'avez vu, à mon avis, j'aime bien les jeux Blizzard. Je ne joue pas à World of Warcraft comme tout le monde pourrait le penser. J'y jouerai peut-être un jour, mais pour l'instant j'ai pas tellement envie, je suis pas prêt à jouer à ça encore. Enfin, c'est pas que je suis pas prêt, c'est juste que j'ai pas forcément envie de jouer. Enfin, je sais pas, c'est pas... J'aime pas trop. C'est l'heure de la revanche. Voilà. Donc voilà, c'est pour parler de ça. Ensuite, peut-être je referai une vidéo sur Assassin's Creed. Je ferai des vidéos de voitures aussi, sur Need for Speed. Enfin, plein de petits trucs à vous faire découvrir encore, j'en ai pas mal en réserve. Bien sûr, la série Rayman aussi, qui date depuis très très longtemps. Je pense que ça ne pourra pas continuer tout simplement parce que le jeu qui était sur CD, c'était quand même un vieux jeu. Et je pense que ça ne marche plus, ça veut pas. Je crois que le jeu a un problème. Ça, c'est trop vieux pour l'ordinateur, ça bug trop. Enfin voilà quoi, c'est dommage, c'est dommage parce que j'aimais vraiment et voilà, c'est chiant. Travail terminé. Donc voilà, je pense que je ferai d'autres vidéos qui vous intéresseront et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo précédente. Il n'y a pas beaucoup de vues encore, mais je pense que ça va aller. Avec celle-là, je pense que ça ira un peu mieux parce que bon, c'est un jeu un peu plus connu et plus mieux. Voilà. Non, je parle pas comme ça, je suis pas un fou non plus. Non. Ça faudrait attendre que j'ai 9. Vous allez voir, on va lui mettre tarot. Butez-le ! Ah oui, des fois, faut taper vraiment que le héros allié. Parce que là, de toute façon, c'est facile, hein, c'est le premier qu'on fait. J'ai pas voulu. Mais pour la prochaine fois, j'essaierai de faire l'autre et on avancera un peu dans l'aventure. Voilà, comme ça, on pourra jouer, s'amuser ensemble. Après, camouflage. De toute façon, il va mourir pas longtemps. Alors, vous voyez, des fois, ça chie quand même. Hein. J'aimerais bien pouvoir faire un pari avec le démoniste, vous voyez. Ils ne s'en relèveront pas. Parce que là... J'espère qu'on n'entend pas les bruits de fond du jeu comme dans l'autre vidéo. Je pense pas parce que bon, mon micro est plutôt bien. J'y ai mis le prix. Regardez, on va les faire chier. Alors ça c'est pas mal. Et bim bim. Voilà. Comme ça ils se tapent entre eux, ils sont contents. Sauf là, comme vous voyez, je pourrais très bien gagner. Même on va le faire, je vais pas s'embêter plus que ça. Et voilà. Bim. Voilà, donc quand on gagne, ça fait tout le contraire en fait. Au lieu que ça soit nous qui explosent, c'est eux. Et franchement, voilà, victoire, on gagne de l'expérience, je passe niveau 7, c'est magnifique. Et avant de vous quitter, on va juste aller voir, je sais pas du tout comment on fait, retour, voilà. Juste aller voir quelque chose.
Ouvrir paquet de cartes, j'en ai pas. Alors, ça fait combien de minutes de vidéo qu'on est? Allez, on se retente le démoniste. Allez, on se retente le démoniste, on est des fous. Allez. On se retente le démoniste parce que j'ai pas envie de le faire sans vous, en fait. J'aime bien le faire avec vous parce que comme ça, je parle. Je suis bien. Voilà. N'hésitez pas à me proposer des jeux aussi, bien sûr. Varina contre Kuldan. Votre âme sera à moi. Voilà, donc lui, voilà, il veut nous tuer. Voilà, donc on va essayer de la jouer bien. On va essayer de la jouer bien, question qu'on y arrive, vous allez voir. Alors bien sûr, me tapez pas dessus si jamais je te retrouvais pas où j'habite, de toute façon, pas possible. Mais si jamais je perds, ne venez pas chez moi pour me tuer, d'accord? Parce que c'est vraiment pas facile. Moi, je sais pas, peut-être que je suis nul, après c'est possible, hein, vous savez, je suis pas fut non plus. Je ne suis pas non plus quelqu'un de très très intelligent. Enfin, faut pas non plus déconner, hein. Je suis pas con non plus. Allons-y. Mais je pense que travail terminé. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi, ça c'est sûr. Bref, pas s'étaler sur mon QI. Vous pas prendre bougie. Ah, c'est des petits, comment ça s'appelle? J'ai un peu joué à World of Warcraft déjà. Et c'est pas, c'est Cobol. Ah, ils me font trop rire, ceux-là. Je sais pas pourquoi je les adore. Et vous voyez, par exemple. Oh, j'ai encore le héros qui est ressorti. Ça, c'est trop bien. Ça. Donc, on fait deux attaques à mon arme. Voilà. On fait ça en plus. Je vais pouvoir taper du. Je ne sais. En fait, j'ai fait le con parce que j'avais deux attaques à mon arme. Faisait du 3, j'ai fait que ça et ça l'a enlevé. Bon voilà, déjà vous avez des raisons de me fracasser la gueule. Quelqu'un a demandé un don. Oh non, voilà, il recommence. Oh, il recommence avec son truc. Alors comme vous voyez, il est 11h12 du matin, j'ai faim. Renvoie serviteur dans la main adverse. Non, ça sert à rien ça. Ah putain, ça m'enlève de la vie, fait chier. Ah, ça m'enlève de la vie. Ah, c'est chiant que ça m'enlève de la vie comme ça. Allez. Ah là. Ah là là. Oh là. Oh là. Donc là, j'ai plus que mon petit dragon mécanique pour tuer le. Pour tuer je ne sais quoi d'ailleurs. Il est chiant, il me redonne de la. Ah. Et remplace la main adverse. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien de chaque côté. Allez hop. Oh non. On a nettoyé le plateau. De toute façon, voilà, il revient. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ça va se payer. Allez, vas-y, vas-y. Machin, vas-y, tu lui enlèves tout, il remet tout. C'est... Attendez un peu. J'en sors une là dans pas longtemps. Travail terminé. Camouflage d'air que lui, je crois, on le voit pas ou quelque chose. Je crois qu'il voit pas ou. Pourquoi? Il y a une conne. Ouais, voilà, c'est ça, ils le voient pas. Donc du coup, le truc, c'est que là, je suis en train de me faire fracasser la gueule encore. Pourquoi? Oh là là. Même ça va arriver tout fumé. Même c'est possible. C'est possible, ça. Attendez, mais comment je vais faire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment je vais faire?
Travail terminé. De toute façon, ils iront pas. Oh là là, 18 points de 25. Attendez, voilà, là j'ai envie de la fracasser. Ouf, hi. J'ai mal. Alors attendez, faut que je fasse le ménage là. Détruire ça, celui-là. J'aurais pas dû faire ça, je regrette. Celui-là. Et celui-là. Un point de dégâts. Allons-y. Je peux tuer celui-là si je veux. Oh, j'avais oublié. Oh là là. Je suis. Et moi, je le sens venir là, vous voyez là, je. Il va même pas me laisser essayer mon truc, quoi. J'apporte la vie et l'espoir. Fixe les PV à 15. De toute façon, je vais mourir. De toute façon, je meurs. Voilà. Donc, de toute façon, je suis mort. D'accord, je vais déjà me sentir plus tôt. Bon, on se quittera sur des fêtes. Je suis désolé, les gars. Mais c'est. Pour me comprendre, c'est pas si facile que ça, quoi. Le machin, il se remet de la vie. C'est la fête. C'est tranquille. C'est la vie. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a vraiment plu de la faire avec vous. Et j'espère que cela vous plaira. Ouais, ah, voilà, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça si jamais vous voulez payer, en fait. C'est les trucs, c'est les nombres, c'est les gnomes, les classiques, les grands tournois, les gobelins et gnomes. Enfin, voilà, c'est ça. Aventure. Vous voyez, même, il y a ça, Namrax, les trucs. Héros. Vous pouvez acheter des héros si je crois. Enfin après je sais pas, je dis ça peut-être pour rien, et je dis ça pour... Comment sort de là voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, on pourra faire d'autres choses quand on sera mieux. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu de la faire avec vous. Donc voilà, et... Bonne journée à tous, bonne journée à toutes. Et je vous souhaite... de bonnes études si vous êtes au lycée et de bon travail si vous travaillez comme moi. Voilà, donc regardez ma vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc salut les gars et à la prochaine.